complexité de la situation congolaise, donc je suis resté certainement avec de fortes impressions que le travail du CICR sera nécessaire encore pour un certain temps dans ce pays, qu'il est pertinent, qu'on peut avoir un impact, qu'on travaille bien avec les différents acteurs dans le contexte congolais. Peut-être pour vous dire, je suis venu maintenant en RDC, non seulement parce que tout le monde parle du Congo et de l'année cruciale pour le Congo est compliquée à cause aussi des perspectives électorales et de toutes les discussions. Ça, c'est un domaine politique sur lequel je ne vais pas me prolonger dans mes explications, mais c'est un pays dans lequel on reconnaît que beaucoup d'avantages de services humanitaires sont nécessaires et qu'il faut rendre aussi acte à cette communauté internationale qui soutient nos activités de la nécessité et de l'importance de l'opération en RDC. Souvent, je vous dis en toute franchise, je suis confronté avec une haute visibilité sur d'autres conflits au monde et haute visibilité souvent donne financement assuré pour d'autres contextes du monde qui peut-être ne montre pas d'une manière aussi aiguë que nous le voyons ici en RDC, les besoins humanitaires pour d'autant de gens. Peut-être pour terminer, laissez-moi juste mentionner aussi que dans les entretiens avec les autorités, nos partenaires, les représentants de la communauté internationale, je suis aussi venu à la conclusion de cette semaine, à la conclusion qu'il y a quelques défis d'avenir qui sont importants de mentionner dans une conférence de presse sur lesquels le CICR certainement va encore davantage se pencher dans l'avenir. D'abord, tout le monde nous voit et nous perçoit comme une organisation qui travaille dans l'urgence. Mais en RDC, quand vous êtes dans un contexte depuis plus de 20 ans et que probablement vous allez encore rester dans ce contexte pendant un certain temps, l'urgence n'est pas la seule dimension. Donc, dans beaucoup de projets que j'ai visités, des projets d'eau, des projets nutritionnels, de développement économique et sociaux, montre que le CICR ne veut pas et ne peut pas rester une organisation qui est seulement orientée vers l'urgence et les besoins d'urgence, par exemple des populations déplacées d'ici ou demain dans un contexte de violence. Nous devons aussi affronter le fait que beaucoup de besoins sont plus systémiques, plus structurels, plus à long terme et nous devons avoir des réponses. Je pense que le projet hydraulique aquatique ici, de l'eau ici à Goma, qui essaye de servir la communauté dans son ensemble par un projet important et témoin d'un CICR qui veut aussi regarder les besoins dans le long terme et non pas dans l'urgence seulement. Peut-être deuxième chose, et j'en ai parlé aussi au président de la République, on a souvent tendance à voir l'humanitaire comme des dépenses. Nous dépensons de l'argent, l'État dépense de l'argent pour des activités humanitaires. Moi, je pense qu'il faut davantage concevoir ces activités aussi comme des investissements dans une population et un développement du pays. Et si nous sommes ici, ce n'est pas que nous sommes un acteur de développement, mais nous sommes un acteur qui est lié par le droit, par les principes humanitaires de neutralité, d'impartialité, pour travailler avec les communautés, mais nous travaillons dans une logique qui peut amener aussi à concevoir ce que nous faisons comme un investissement dans la population congolaise, pour avoir un développement plus soutenu. Troisième défi, on regarde souvent l'humanitaire comme une activité de substitution par rapport
à ce que les États font. Moi, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui aussi à une situation où il faut continuellement repenser avec les États. Quel est le rôle des humanitaires? Quel est le rôle des États? Quel est ce qu'on attend aussi d'un État en tant que porteur de services pour la population? Et c'est certainement cette question qui est beaucoup plus en proximité et en consultation des pouvoirs locaux de la Croix-Rouge congolaise en premier lieu, mais aussi d'autres partenaires avec lesquels on travaille. On vient rarement avec des idées de programmes figés, mais on est flexible à répondre à ces besoins avec, dans les domaines où un savoir-faire, et j'ai mentionné à peu près les grands axes et les grands domaines. Donc c'est plutôt la méthodologie et le mandat du CICR qui se distinguent et que je pense qui nous a permis d'avoir un rôle assez spécifique de la communauté humanitaire. Ça n'enlève rien du tout à la qualité du travail que d'autres acteurs font aussi, mais ils sont souvent spécialisés sur un domaine ou un autre, alors que le CICR essaye vraiment de se focaliser sur les victimes de violences, de conflits, et d'avoir une réponse multidisciplinaire et d'ensemble en réponse à ces besoins. Cela m'amène peut-être aussi à dire un mot sur la sécurité. Nous sommes un acteur humanitaire qui évite d'avoir une sécurité armée de nos activités. Nos activités reposent en premier lieu sur le consensus des pouvoirs et des porteurs d'armes et donc sur la négociation d'un espace humanitaire avec tous ceux qui contrôlent du territoire et de la population. Donc on a une méthodologie sécuritaire différente. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des défis sécuritaires, mais on a une approche différente qui nous caractérise aussi ici en RDC. Ce qui nous préoccupe, c'est clair, c'est la criminalité recrudescente qui touche aussi des acteurs humanitaires et qui échappe souvent un peu ce concept d'engagement avec toutes les parties au conflit. J'aimerais peut-être laisser à Christine répondre un peu sur la Croix-Rouge et puis peut-être sur l'Ebola et sur d'autres, si tu veux. Oui, par rapport à cette première question de financement, par rapport à la Croix-Rouge, la Société nationale congolaise, la Société nationale, la Croix-Rouge congolaise est vraiment le partenaire privilégié du CICR à travers toute la République démocratique du Congo, ce depuis de nombreuses années, et en partenariat vraiment très privilégié, en grande coopération avec la Société nationale, conjointement, on intervient dans plusieurs domaines très variés, que ce soit dans le domaine de projets d'eau, comme le président l'a mentionné, les domaines d'activité du CICR et de la Croix-Rouge congolaise, d'eau, de santé, de sécurité économique, mais aussi des domaines où, grâce au réseau très important de la Société nationale, qui est déployé dans toutes les provinces de la République aujourd'hui, les réunifications des personnes qui ont perdu le lien familial à la suite d'un conflit ou de situations de violence. Et grâce à ce réseau de volontaires et de branches de la Société nationale très développée à travers toutes les provinces, on arrive à avoir un impact très important sur ces réunifications familiales entre les membres des familles qui ont été séparés. C'est un réseau qui est vraiment très très important. Et on travaille aussi sur les renforcements de capacités de la Société nationale au niveau de leurs branches, parce qu'elles ont aussi leurs propres projets, indépendamment de ceux qu'elles développent en partenariat avec le CICR. Elles sont aussi actives dans des partenariats avec d'autres organisations humanitaires, en fonction des urgences et des activités qu'elles ont en cours. Par rapport à cette question, et peut-être si je peux enchaîner par rapport aux statistiques, hein, les deux dernières années,
Dans le pays, on touche, et vous avez les détails de populations qui sont touchées aujourd'hui, je vous donne vraiment le chiffre aujourd'hui, à travers les provinces affectées par les conflits armés, ici à l'Est, et celles nouvelles touchées par les crises qui ont été déployées au Kasaï et au Katanganika, c'est approximativement 1 million de personnes. Vous avez le détail par assistance. Hein. Et puis, à noter aussi qu'on visite aujourd'hui approximativement 26 000 détenus dans à peu près 10 prisons dans le pays. On suit très régulièrement, dont on monite les conditions de détention. Donc, par rapport à l'Ebola, là encore, comme on parle de la Croix-Rouge congolaise, elle a ce qu'on appelle le lead sur cette crise qui vient de surgir dans la province de l'Équateur. Nous venons en aide, en support, en appui seulement à la Croix-Rouge, dans les domaines de l'hygiène, dans les domaines de l'eau et de la sanitation, dans les domaines de la gestion des dépouilles mortelles, qui est un point très important dans ce genre d'épidémie. En appui, aujourd'hui, la Croix-Rouge est vraiment déployée, elle a développé déjà une expertise dans la gestion de cette crise. Il y a plus de 200 volontaires qui ont déjà été mobilisés pour cette crise-là, et on est totalement prêt à répondre à plus d'appui si nécessaire.